Hello. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 8. Oui, tu verras à l'état de mon nez que mes allergies sont toujours là. D'ailleurs, j'ai mes lunettes qui sont dégueulasses. Bref, la fille, elle commence sa vidéo, elle dit déjà tout et n'importe quoi. J'espère que vous allez bien, que voilà, on a donné hier le résultat du concours Théona. Donc, merci à toutes d'avoir participé, etc. Et comme je disais dans le live, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai mes lunettes qui sont dans un état. Je l'ai dit hier dans le live, restez bien abonnés à moi et à Théona France parce que on vous refait un concours au mois de février pour à l'occasion de la Saint-Valentin. Là, c'était pour Noël, on vous en refera un pour la Saint-Valentin. En tout cas, je vous remercie à toutes pour votre soutien, etc. J'ai encore des filles qui ont reçu leur commande ce matin, qui sont hyper contentes, etc., etc. Je suis ravie, franchement, de vous proposer de la qualité, puisque vous savez très bien que je ne vous présente jamais des trucs de MERDE. Donc, voilà. Je suis en train de regarder, parce que j'ai fait tout et n'importe quoi dans mon salon. Je vais tourner un petit peu, parce que comme j'étais malade hier, j'ai pas tout rangé. C'est un petit peu le bazar. Donc voilà, aujourd'hui pour le Vlogmas, j'ai pas non plus 10 000 trucs à vous montrer, ça va être beaucoup de blabla, d'explications, etc. On va commencer par les calendriers. Alors, on va commencer comme d'habitude avec le calendrier Sense. Non, le jour 9. Oui, on est le jour 9, je vous dis 8, mais non, c'est le 9. Donc le 9, il est là. On a une crème pour les pieds. Donc voilà, une crème pour les pieds en format 50 ml. Et c'est une senteur classique Berry Scent. Donc voilà. Elle se présente comme ceci. Alors oui, il y a du bruit derrière moi, la télé, mon fils qui joue, etc. Mais comme je vous ai déjà dit, on est sur des vlogs, donc il n'y a pas de genre, il faut pas de bruit derrière, etc. Ensuite, on a donc le spa, la case numéro, non, 8, on a dit que c'était hier. La case, je vais l'enlever ce truc parce que je sens qu'il va finir à la poubelle après, même si je n'aurais pas perdu grand-chose, c'est le truc d'hier. La case numéro 9, numéro 9, numéro 9, qui est, je ne sais point. Je trouve pas la numéro 9. Je les vois toutes sauf la numéro 9. Il y a un souci là. Il y a un souci. Ah, elle est là. N'importe quoi, elle était devant moi. Je vais essayer de sortir ça d'ici. On est sur un masque pour le visage. Alors franchement, vous n'allez pas aller loin avec ça. C'est un tout riquiqui format comme ça. Donc là, on est sur un échantillon. 8 millilitres qui sent je ne sais point, c'est pas écrit je crois dessus, je trouve pas la senteur, mais bref, c'est vraiment pour une seule utilisation, hein. Donc c'est un masque pour le visage qui est en liquide quoi, tout simplement. Mais voilà, c'est pas le truc avec lequel tu vas aller très très loin, Ginette. On n'est pas sur le même format, hein. Donc voilà, ensuite le Révolution, je sais pas ce que j'ai fait voler encore. Le Révolution, la case numéro 9. Est-ce qu'on va avoir une grosse case aujourd'hui ou est-ce que c'est encore une petite? Ça, c'est le 9. Non. Attendez, parce que du coup, je me mélange les pinceaux entre la 9 et la 6. Là, en fait, ils sont un petit peu couillons dans leur façon de faire parce que du coup, les deux, si on les tourne comme ça fait 6 et si on les tourne comme ça fait 9. Donc, du coup, je ne sais plus. Je pense que c'est celle-là parce que. Attendez, je vais voir ce que j'ai déjà ouvert. Du coup, ça m'aidera à savoir peut-être. Non, celle-ci, c'était la 6. On l'avait déjà ouverte. Donc là, la 9, on est sur un crayon comme ça. C'est pour ça que c'était tout léger. Donc, c'est toujours un format full size. Et c'est un crayon colle, tout simplement, comme ça. Alors, la pigmentation, je ne sais pas du tout. Sachant que moi, je suis très chiante sur ces crayons-là parce qu'il faut vraiment qu'ils ne coulent pas du tout. En tout cas, il est bien gras. Vous voyez, j'ai fait juste quelques passages et il marque bien. Maintenant, est-ce qu'il est waterproof? Ça, c'est une autre histoire. Alors, crayon, je ne sais pas pourquoi ils mettent des écritures comme ça. C'est vraiment horrible.
Crayon pour les yeux, non, mais c'est pas écrit, non, je pense pas qu'il... Ah si, non, je sais pas s'il est waterproof, mais non, il a l'air de s'effacer quand même assez rapidement. Moi, c'est... Après, peut-être qu'il est bien, hein, mais c'est moi qui suis chiante sur les crayons noirs, je suis hyper pointilleuse. Il faut vraiment qu'il marque bien, qu'il ne bouge pas de la journée, etc. D'ailleurs, là, vous verrez que j'en ai pas mis, parce que mon... J'ai mon taille crayon Dior que j'ai depuis des années qui s'est cassé. J'ai la haine. Et puis du coup, voilà. Du coup, j'ai pas d'autres tailles crayon qui soient de qualité pour tailler mon crayon noir. Donc du coup, voilà, j'en ai pas mis. Donc voilà pour les calendriers. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire que j'allais faire partir mon concours à moi aujourd'hui. Donc je ferai tout à l'heure une story, un post sur Instagram, etc. J'ai pas pris le colis avec moi parce qu'ils sont posés ailleurs. Mais c'est pas comme la dernière fois où j'avais fait des lots différents. Là, il y a la même chose dans les trois colis, principalement du make-up et de la skincare. Donc des choses pour le visage. Pardon, il y a une crème pour les mains. Il y a aussi quelques trucs de maquillage. Enfin, c'est voilà. Les trois box contiennent exactement la même chose parce que la dernière fois, j'avais fait trois box différentes. Là, c'est pas le cas. Elles contiennent toutes la même chose. Et puis voilà, il y aura juste à participer comme d'habitude. Alors par contre, je vous répète encore que je vais vérifier parce que dernièrement, je me suis fait avoir sur une histoire de concours. Bref, donc la prochaine fois, en fait, au moment du tirage au sort, je vérifierai sur le champ, en fait, au moment du tirage au sort, tout de suite, face caméra, je vérifierai si la personne respecte bien toutes les conditions. Et si la personne n'a pas respecté les conditions, je referai un tirage. Du coup... qu'est-ce que j'allais vous dire? Il faudra, comme d'habitude, être abonné à mon compte YouTube, donc ça je le vérifierai, à mon compte Instagram et partager en story, donc mettre en commentaire je participe, nommer des personnes, partager en story en me mentionnant dessus et voilà, et je ferai le tirage, je pense, mercredi soir. Oui, comme ça je pourrai vous les envoyer en fin de semaine. Donc voilà, on fera ça le mercredi soir. Je sais plus ce que j'allais vous dire, je m'en rappelle plus. Le calendrier bricolage, donc c'était celui-ci, de toute façon il est plus dispo en magasin, mais bon je vous le montre quand même. C'est une petite pochette comme ça pour ranger, vous savez, les petits outils à l'intérieur. D'ailleurs, ça fait la taille des tournevis et tout ça. Donc, vous pouvez même venir y mettre les tournevis et tout. Ça se roule comme ça. Et ensuite, vous avez le scratch pour l'attacher au cas où si vous l'emportez ou quoi que ce soit. Franchement, c'est pas mal du tout. Je trouve ça pas mal. Ça permet au moins de mettre, vous savez, tous les petits tournevis et tout ça qui étaient là-dedans. Donc, voilà. Et ensuite, donc je vous disais, pour le concours, il faudra bien respecter les règles. Parce que là, hier, donc, c'est trop tard, mais voilà, je préfère être honnête, la personne qui a gagné le concours, j'aurais dû vérifier sur le coup. Mais en fait, je me suis rendu compte ce matin et vous m'avez envoyé certaines des messages en me disant « Oui, mais la dame qui a gagné, elle n'est pas abonnée à Théona. » Alors, maintenant, c'est trop tard parce que ses coordonnées ont été données à Théona, ils ont envoyé le colis, etc. Mais ça m'apprendra et la prochaine fois, je vérifierai tout de suite. Donc, c'est pas pour être chiante, c'est pas pour... je sais qu'il y en a certaines qui s'y connaissent pas bien. Comme la dame en question, voilà, je n'en veux pas parce que c'est une dame d'un certain âge. Et donc, parfois, c'est compliqué de tout comprendre. Il y en a même qui sont venus vers moi, qui m'ont dit « Oui, Céline, comment on fait pour partager une story, etc. » C'est compliqué parce que je peux pas dire à ces gens-là « Vous comprenez rien, donc vous participez pas. » Non, c'est des gens qui regardent mes vidéos depuis des mois et des mois. Elles sont même peut-être là sur ma chaîne depuis plus longtemps que d'autres. Des personnes qui sont voilà bienveillantes, adorables et tout, donc je peux pas leur dire non mais vous vous débrouillez, je vous explique rien et puis tant pis pour vous, vous participez pas si vous avez rien compris, ça se fait pas. Moi perso j'ai un cœur et ça se fait pas, je fonctionne pas comme ça. Donc voilà, mais en tout cas la prochaine fois je prendrai la peine de vérifier tout de suite. Donc c'est à dire qu'une fois que les personnes seront tirées au sort, je prendrai 5-10 minutes en plus où je vérifierai si la personne est bien abonnée à ma chaîne YouTube, si elle est bien abonnée à mon compte Instagram, je vérifierai tout. Puisque voilà, c'est comme ça, tous les concours sont comme ça. Donc voilà, c'est comme ça, Ginette. Ensuite,
Dans ce vlog, je n'ai pas de truc de ouf à vous montrer parce que vous avez bien vu, d'ailleurs, vous m'avez cartonné dans vos commentaires, je n'ai même pas osé répondre par rapport à hier d'avoir fait la vidéo en étant malade, etc. Donc du coup, aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de truc où je suis sortie pendant des heures à vous filmer, etc. Je vous fais le vlog quand même, mais je vais en profiter parce que je suis sortie ce matin, donc je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai acheté. Donc ça... c'est, désolé pour les oreilles, ça c'est Carrefour, j'ai pris des choses qu'il me fallait pour vous faire la recette, vous savez, des cinnamon rolls, ou je sais plus comment ça s'appelle ce machin, vous savez, le truc roulé là, comme ça, en brioche, en escargot, à la cannelle et au sucre, parce qu'il me manquait des ingrédients pour le faire, donc du coup, je suis passée à Carrefour, bon, les prix, après, je vous les dis pas, parce que je pense que vous en foutez des prix de, voilà, de Carrefour, ça, je sais que c'était en promotion, ça valait vraiment le coup parce qu'à la base, il est pratiquement à 2 euros. La marque Dadi, le sucre glace comme ça, en, vous savez, avec le machin là, les tamis. Et là, il était en promo à 1,34€. Alors, je ne sais pas jusque quand dure la promo. Mais quoique, vu que j'ai pas grand-chose, je peux m'amuser à vous dire les prix, façon de parler. Donc oui, le sucre glace, normalement, il est à 1,95€. Et là, il y avait 59 centimes de promo dessus. Donc du coup, il revenait moins cher que le... J'allais dire Action, que le Carrefour, sachant qu'il y a 500 grammes dedans. Donc ça, c'est pour faire le glaçage, vous savez, sur les brioches, là. Ensuite, j'ai pris de la cassonade parce qu'il m'en fallait aussi pour la recette. Donc moi, j'ai pris juste la Carrefour, tout simplement. C'est de la cassonade pure canne, 750 grammes, qui m'a coûté, je crois, même pas 1 euro. Sucre vanillé, nanana. Cassonade 1,75€, donc franchement c'est pas cher aussi. Ensuite j'ai pris de la crème de marron, ça je l'ai pris parce que je vous ferai un roulé façon bûche de Noël. Donc j'ai pris un pot de crème de marron, d'ailleurs j'ai été choquée parce qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre celui-ci, le vrai, moi pour moi celui-là c'est le vrai de vrai, tu connais. Et le Carrefour, il n'y avait pas énormément de différence, donc du coup j'ai pris celui-ci, il me semble que c'était 2,50€. Et le Carrefour, il est à 2,39 ou un truc comme ça. Donc, je trouve que pour du Carrefour, il se gave. Autant prendre celui-ci parce que le goût, c'est pas du tout le même. Ensuite, j'ai pris au rayon tout ce qui est oriental, etc. J'ai préféré le prendre là-bas parce que souvent, regardez bien les prix. Quand vous prenez les épices, vous savez, les pots en verre, la marque Carrefour ou encore pire, la marque Ducros, etc. Vous payez aussi la marque et le récipient. Donc, si vous avez déjà votre récipient ou que vous mettez ça dans des petits pots individuels ou que vous vous en foutez de l'avoir dans le sachet, c'est beaucoup moins cher de prendre ça. Vous allez au rayon où il y a tout, vous savez, les produits du Maghreb et les épices sont beaucoup moins chères qu'au rayon normal. Donc, j'ai pris le 4 épices. Donc, c'est l'équivalent d'un truc un peu style pain d'épices. Puisque vous avez de la cannelle, du poivre noir, du clou de girofle et de la noix de muscade. Et c'est, alors, 4 épices, 1 euro. Donc franchement, voilà, sachant que les Ducros, ils sont pratiquement à 2 balles ou 2 balles et quelques, je crois, le truc comme ça. Il est tout petit. Là, vous avez quand même 100 grammes. Donc moi, j'ai préféré le prendre là. Et puis, j'ai mes petits pots, je le mettrai dedans. Ensuite, j'ai pris... ça, j'ai oublié de le mettre au frigo, du râpé tout simplement pour ce soir parce que je vais faire, je pense, une pizza maison. Donc du coup, j'avais pris un paquet de râpé. J'ai pris aussi du foie gras. J'ai pris juste deux tranches comme ça parce que c'est pas le gros que j'ai pris pour les fêtes. J'ai pris juste un petit paquet avec deux tranches parce que je voulais le goûter avec le pain d'épices de Laurie. Je sais même plus c'est quoi comme prix que je vous cherche. Ça, c'est quoi? Le foie gras, il y a 80 grammes, donc je ne vous le montre pas parce qu'il est au frais, on s'en fout. Mais vous avez deux tranches et c'est 3,59€ de la marque Carrefour. J'ai pris le plus simple parce que c'est vraiment juste pour goûter ça. J'ai pris ça parce que je l'ai trouvé pas cher, mais bon, je ne sais pas si vous connaissez. C'est, je ne sais pas trop comment vous expliquer, c'est une espèce de pâte de... pas de sucre mais de bonbons, enfin voilà, pour les personnes qui connaissent pas, je sais pas trop comment vous expliquer, ils appellent ça Elva, mais voilà, en, comment vous dire,
En arabe, on appelle ça halwa. C'est une espèce, comme je vous dis, de pâte faite avec beaucoup de sucre. Alors oui, c'est très sucré, hein. C'est une espèce de bonbon, mais qui est un petit peu sablé, etc. Enfin, ben voilà, faut goûter pour comprendre. J'arrive vraiment pas à vous expliquer. Là, c'était un petit paquet de 200 grammes. C'est au rayon oriental. Et je crois que c'était 1 euro et des poussières 1,95 euro. J'ai pris aussi du sucre vanillé. Il y a 10 petits paquets à l'intérieur. Donc, pareil, c'était au rayon oriental. J'ai voulu tester celui-ci parce que moi, je connais les produits qui viennent d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de tout ce que vous voulez. Et souvent, tout ce qui est pour la pâtisserie, etc., ça a beaucoup plus de goût. Comme par exemple, le sucre vanillé, souvent, il a beaucoup plus de goût que celui qui est vendu, par exemple, à Carrefour ou dans des trucs comme ça. Et le prix, il est beaucoup moins cher. Donc, du coup, je me suis dit, je vais prendre celui-ci pour tester. Et je sais plus, 1,26€. Donc, franchement, ça revient moins cher que le Carrefour. Et logiquement, il doit avoir plus de goût. Donc, je verrai de toute façon quand j'utiliserai. Et il me semble que les sachets sont plus grands aussi. Non, c'est à peu près la même chose. On verra bien quand je le prendrai. C'est des sachets de 7,5. Ça se présente comme ceci. Et vous en avez 10 à l'intérieur. Ensuite, donc ça, c'est fait. Ensuite, je suis passée à Action aussi. Enfin, ensuite, j'étais passée d'abord à Action. Je vais vous montrer ce que j'ai pris à Action parce que ça, rien que j'attende de faire un haul avec, j'ai pas énormément de choses. Il y a ceci que j'ai trouvé, donc c'est un nouveau coffret de la marque Spa. Comme idée cadeau, c'est pas mal du tout. Le prix, vous verrez en magasin. Je vous le dis pas parce que c'est un cadeau, même si la personne peut aller voir sur le site, etc. Mais voilà, j'ai pas envie de dire le prix à la caméra puisque la personne regarde mes vidéos, donc voilà. À l'intérieur, vous avez un gel douche de 100 ml, un body peeling 100 ml, une crème pour le corps 100 ml, donc c'est vraiment des gros formats. Body crème, non, ça c'est quoi, attendez. Non, une brume corporelle, donc vous avez ça, la brume, d'ailleurs, je pense que ça vous fera penser à quelque chose, hein. C'est des dupes de chez Ritual, si t'as compris. La brume pour le corps 100 ml, la crème pour le corps 50 et vous avez une bombe de bain. Donc moi, je l'ai vraiment pris pour le reste parce que je trouvais ça hyper joli. Je ne sais pas si vous voyez correctement, mais il y a de la dorure, des reliefs là, etc. Je l'ai pris parce que je trouvais ça super joli. Je vous aurais bien montré parce que ici, en fait, on voit la présentation des produits. Mais comme je vous ai dit, comme c'est un cadeau, je n'ai pas envie de l'ouvrir. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. Je vous avais montré l'autre jour, j'avais pris un pot pourri. Version Noël qui d'ailleurs sent magnifiquement bon. J'étais choquée de l'odeur parce que j'ai l'habitude d'acheter les pots pourris chez Action. Ils sentent, mais c'est pas oufissime. Par contre, ceux-là, les versions Noël comme ça, l'odeur, c'est juste une dinguerie. Donc là, je l'ai pris avec une rose dorée et une petite étoile dorée. Ça, c'est pareil, c'est pour offrir. Donc voilà, c'est un petit truc. Vous pouvez très bien mettre ça en plus d'autres cadeaux pour offrir, etc. C'est sympa. J'ai pris ces gommages pour le corps, là c'est pareil, je ne vous dirai pas le prix parce qu'il y en a un qui est un cadeau. Donc c'est la marque Hammam, comme ça j'aime beaucoup leurs produits, c'est des dupes de Ritual, tu auras compris aussi. J'ai l'huile pour le corps de chez eux qui est pas mal du tout. Et là ils ont remis en rayon le body scrub. Déjà c'est un gros format, c'est un 500 ml en plus, 500 grammes pardon. Il sent magnifiquement bon. Et c'est vraiment du gros grain, ben, je vais vous montrer parce qu'il y en a un qui est à moi, donc je vais l'ouvrir. Regardez les grains, ils sont vraiment énormes. Donc là oui, ça va venir au niveau de l'odeur, ça sent un peu le chewing-gum, le bonbon. Franchement ça sent trop bon. Comme je vous disais, c'est du gros grain, donc ça va venir bien enlever les peaux mortes. Je vais le mettre là pour pas mélanger. Ça vient bien nettoyer la peau, enlever les peaux mortes, etc. Parce que si vous prenez des gommages qui sont beaucoup trop fins sur le corps. Pour le visage, c'est très bien, mais par contre, pour le corps, ça ne servira à rien parce que si ça frotte pas assez, en fait, ça va pas enlever les peaux mortes. Donc, ça ne sert strictement à rien. Il n'est pas trop cher celui-là et comme je vous ai dit, de toute façon, c'est le dupe du Rituals et c'est une dinguerie. Ensuite, j'ai pris cet adoucissant-là. C'est une nouveauté qui est arrivée la semaine dernière. D'ailleurs, celui-là, même à Carrefour et tout ça, je ne l'ai jamais vu. C'est le Cajoline Collection Parfum Nectar Divin.
parfum raffiné aux huiles essentielles. Vous avez l'équivalent de 38 lavages à l'intérieur, 950 ml. Et il n'est pas cher du tout parce qu'au départ, j'avais pris, vous savez, celui de la marque Silan de chez Action. Et puis du coup, quand j'ai vu le prix de celui-ci, je me suis dit non mais attends, le Cajoline, il est pratiquement au même prix. Donc du coup, j'ai pris celui-là. 2,78 €. Il est même moins cher, je crois, que le Silane, parce que le Silane, il me semble qu'il est à 2,98 € ou 2,49 €, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, tu as du Cajoline pour le prix de celui du Action. Alors, celui de Action, il est très bien, hein, le Silane, mais là, je me suis dit, le Cajoline, il sent quand même un petit peu mieux. Et on verra, c'était pour changer un petit peu aussi parce que j'aime pas avoir toujours les mêmes odeurs. J'ai repris un rouleau de scotch comme ça parce que nous, on s'en sert pas mal. Et comme là, je vais avoir aussi des colis à envoyer. Donc, j'ai repris un scotch comme ça. Ils sont à 85 centimes. Et si vous envoyez des colis ou que vous déménagez ou tout ce que vous voulez, prenez plutôt celui-ci plutôt que le marron parce que le marron, il colle beaucoup moins bien. Ensuite, j'ai pris un lot de crayons colle noir comme ça de chez Max & More. Ceux-là, ils sont à 1,19 € ou je sais plus, quelque chose comme ça, 1,69 €. Les trois, ils sont pas mal du tout. Donc, vous avez trois crayons noirs à l'intérieur. Je les ai pris pour les mettre dans les colis aussi. J'ai pris ceux-ci. Ils sont vendus par deux. Je vais l'ouvrir, ça sera mieux pour voir parce que le plastique, il est hyper épais. C'est du nettoyant pour la vaisselle. Donc, vous en avez deux flacons comme ça. Donc, vous avez deux de nettoyage. Quoi, c'est gradué ici au cas où si vous voulez en mettre... juste un dosage particulier. Donc, vous avez 250 ml dans chaque flacon et c'est 1,99 €, je crois, normalement. 1,99 €. Donc, voilà, c'est du nettoyant pour le lave-vaisselle. Vous avez juste à enlever le petit plastique ici. Donc, il vous montre qu'il faut l'enlever. Je vais vous l'ouvrir parce que, de toute façon, je l'utiliserai après. Donc, vous enlevez ça. Ici, c'est en espèce de machin qui va fondre. Vous le mettez à l'envers comme ça dans le bac à couvert, dans le lave-vaisselle. Et vous faites tourner votre lave-vaisselle sur un cycle qui chauffe assez. Donc, un gros cycle. Et ça va venir dégraisser la tuyauterie, dégraisser les hélices là, qui tournent à l'intérieur. Ça va nettoyer, enlever le calcaire, etc. Donc, franchement, pour le prix, c'est pas cher du tout. Sachant qu'à Carrefour et tout ça, c'est hors de prix. J'ai pris des petites assiettes. Enfin, des petites, c'est des assiettes de taille normale. En carton, vous en avez 10 à l'intérieur, c'est des diamètres 23, vous avez plusieurs coloris, moi j'ai pris du doré, mais c'est du doré mat pour les fêtes, parce que comme je vous avais dit la dernière fois, je vais prendre que des trucs comme ça pour les fêtes, parce qu'à chaque fois, même si c'est le lave-vaisselle, mais vous savez, remplir le lave-vaisselle, faire tourner, machin, truc, alors que là, je me dis, au moins, quand on a fini, je fous tout à la poubelle, et puis c'est réglé. Ensuite, j'ai pris des duplos comme ça. Vous en avez 5 à l'intérieur, donc il y a 5 barres de Duplo comme ça. Pour celles qui ne connaissent pas, ça c'est le truc que je surkiffe. Quand j'étais au collège, j'étais capable de déglinguer un paquet comme ça en 5 minutes. Je les prenais, je mangeais tout. C'est tellement bon, sachant que ça a le goût des Ferrero. Bah, de toute façon, voilà, c'est écrit, c'est Ferrero pour celles qui ne connaissent pas. Ça a le goût des Ferrero Rocher. Parce qu'ici, c'est du Nutella, puisque Ferrero, c'est Nutella. Donc, ici, vous avez du Nutella. Là, vous avez une noisette. Et vous avez le tout qui est couvert d'une espèce de gaufrette recouverte de chocolat avec des petits liserés de chocolat. Franchement, ça, c'est juste une dinguerie. Et c'était 2,78 €, je crois. Non, un petit peu moins, il me semble. 2,67 € le paquet. Et pour terminer, j'ai repris de la marque Mariette. Je vous l'ai déjà montré plein de fois. C'est le meilleur bicarbonate, même quand vous l'achetez en magasin. Je sais qu'avant, je l'achetais en magasin bio ou alors des fois, je l'achetais carrément à Leroy Merlin. Vous savez, pour déboucher ou alors même pour blanchir, etc. Mais franchement, ce n'est pas aussi efficace que celui-là, sachant que habituellement, je le paye beaucoup plus cher. Donc, c'est la marque Mariette. Il est à 1,19 €, je crois, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas 1,19 €. Attendez, je suis en train de galérer parce que je sais plus quel est le prix. Mariette. Non, il est à 1,69 €. Mais voilà, franchement, ça reste donné. Vous avez, je crois, 500 g dans le pot.
Vous avez la cuillère pour doser et il est bien parce qu'il n'est pas en poudre. Parce que quand vous voulez déboucher, blanchir le linge, etc., quand vous prenez du bicarbonate alimentaire, le résultat n'est pas le même parce qu'en fait, le bicarbonate, il est en, vous savez, en poudre, comme celui de Lidl, par exemple, ben, il est vendu au rayon alimentaire ou alors parfois il est au rayon hygiène, pas hygiène, mais des produits ménagers. Donc, il vous précise bien dessus qu'il est à usage alimentaire aussi. Mais le problème, c'est qu'il est en poudre. Donc, quand vous le mettez, par exemple, dans la machine à laver ou pour déboucher quelque chose, etc., au contact de l'eau, il va venir former des grumeaux. Et moi, je sais que plusieurs fois, ça m'avait fait des grumeaux de ouf dans la machine. Alors que celui-là, il est en poudre aussi, mais en fait, c'est plus... je ne sais pas comment vous expliquer... C'est beaucoup plus fin, c'est... Enfin, voilà, il est mieux, t'as compris, voilà. Donc voilà, moi, je le prends. Alors, il y a écrit multi-usage, mais moi, perso, je ne l'ai pas testé. Je ne sais pas s'il est... Normalement, du bicarbonate, c'est du bicarbonate. Hein. Dites-moi, les filles, si vous l'avez testé dans la nourriture, celui-là. Mais moi, je sais que je le prends surtout pour blanchir le linge ou pour déboucher, pour plein de choses comme ça. Bref, donc voilà, ça c'est terminé. J'avais pas pris grand-chose de façon à Action. Je vous ai aussi filmé des nouveautés, mais je ne sais pas si je vous les mets là à la suite ou est-ce que j'attends demain pour vous les mettre sur le vlog de demain. Parce qu'il n'y avait pas non plus 150 000 trucs. Non, je pense que je vais vous les mettre là à la file, comme ça au moins ça sera réglé, je ne me prendrai pas la tête. Et je vais prochainement vous faire des vidéos qui sont avec des sujets précis. Donc, je ne vais pas spoiler, je ne vais pas dire le pourquoi, du comment, etc. Mais je vous ferai des vidéos précises et des vidéos qui m'ont été demandées aussi. Donc, voilà, on se retrouve demain pour le vlog numéro 10. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur Instagram parce que je vous mettrai aujourd'hui le jeu concours pour gagner mes box à moi. Donc, voilà, respectez bien toutes les règles que je vais vous citer. Et je crois que c'est tout. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Salut! En nouveauté, on a ces planches à découper en bois de manguier qui sont très grandes, à 4,98€. On a cette lampe-là qui existait déjà en noir, mais là, on l'a en blanche et en bambou. Franchement, elle est magnifique. À 8,95€. On a ensuite ce nouveau porte-manteau en bois de manguier et en métal. Je crois qu'il est à 4,95€. On a ces petits plateaux en bois de manguier également qui sont une nouveauté. Il me semble qu'ils sont à 2,99€, mais je n'ai pas trouvé le prix. Donc vous avez différents coloris. On a ensuite en nouveauté ces petits plateaux en espèce de panier en osier. Qui sont magnifiques d'ailleurs, vous avez le marron et vous avez le blanc, ils sont à 4,99€. Cette nouvelle étagère, enfin c'est un retour plutôt, qui est en métal et en bambou à 8,95€, donc je vous mets les dimensions. On a ensuite en nouveauté ce cadre, vous savez, à accrocher pour mettre les capsules de bière et les bouchons de vin. Les nouvelles salières et poivriers en véritable marbre avec le dessous doré à 2,99€. On a en nouveauté ces plateaux pour poser la cafetière dessus et le grand tiroir à compartiment pour mettre le thé, le café, les capsules, etc. qui est à 9,95€. On a cette bonbonnière en effet iridescent. Franchement, elle est magnifique, très grande à 2,99€. On a ces nouveaux diffuseurs maison. Alors perso, je vous déconseille parce que les diffuseurs de chez Action Next... On a les shampoings secs à 3,33€ de la marque Got2Be qui sont de retour. Ils sont pas mal du tout ceux-là et à normal, ils sont beaucoup plus chers. On a la soupline comme ça à 2,98€, c'est un grand bidon. On a une nouvelle gamme de lacs à 2,39€. On a ce nouveau coffret de la marque Spa à offrir, franchement il est juste magnifique et les produits qui sont à l'intérieur sont pas mal du tout et c'est des gros formats. On a en nouveauté les cendriers, non mais n'importe quoi hein, Ginette. Les déodorants Umbro pour femmes à 1,79€. En nouveauté, imitation ombre à paupières liquide Armani, on a celle de chez Action. Ensuite, on a le duo de vernis à ongles à 2,22€. On a en nouveauté ce gel douche à 96% d'ingrédients naturels. On a en nouveauté également ces bains moussants et gel douche pour les enfants en format 1 litre
à 3,49 €. Et pour terminer, le retour du gommage à la noix de coco qui est à 2,12 €. Je vous laisse sur cette fin et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Bisous à toutes.